Le wokisme est un sujet que les politiques ont décidément du mal à saisir, et c'est le cas de Romain de Montaga, maire de Mourou, et personnage de Benjamin Tranier qui est venu nous en parler. Romain de Montaga, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter. Mes chères électrices, mes sexy bas de gueule. Mes chers électeurs, 3 quarts en cuir dégradés à 10 euros, beau gosse à l'ancienne. Bonjour à vous. Quant aux autres, je parle pas au slip vide. Voilà, c'est carré. Monsieur Mathieu Noël, bonjour et bonne année. Aïe, aïe, aïe. À Skip le 31, ça a sorti le hack chocolat et le boxer Pouline, Ken le survivant. Satané baiser. Oui, monsieur. Guettez le sourire. Bandeur de jean taille basse, va. Hé, hey, Kader, parle à ton daron. Il fait du stop déguisé en Naruto. Il a 64 ans. La gendarmerie est débordée. Bon. Je tiens à calmer la situation tendue qui règne à Mourou actuellement. Ah oui. Dans le cadre du film Bagarre et 7e art, où la mairie diffuse des films d'action des années 90. Jean-Claude Van Damme, la virilité a-t-elle déjà aussi bien porté le mulet qu'une nue ? Alors, je lis. Un certain nombre de ces films comportent un paquet de scènes racistes, homophobes et sexistes. Parlez sur un ton ferme. Je regrette que ces œuvres aient été diffusées au sein de la mairie. Prendre un air dépité en regardant les cons autour de la table. Mais nous ne pouvons accepter que des wokistes fassent des manifestations devant la mairie. Voilà, ça je voulais le dire. Voilà, maintenant il faut démarrer vos grand-mères jusque chez vous, vous la garez là où elle se pose d'habitude et vous vous barrez de ma mairie. Voilà. La sœur Akader, elle a gagné un concours de sosie Dreamcast du 113. Voilà. La mairie se fait caillasser par des gamines qui ont la même coupe de cheveux que Jean-Marie Bigard. Heureusement que j'ai reçu tout un tas de soutien à travers la France. Ryan B. Fever, DJ Core, régalade estivale inégalée, quoi qu'en disent les puristes. C'est alors que ses soutiens ont décidé de tous venir à la mairie pour soutenir le festival. Arrivé à la mairie, je vais pour dire bonjour au chef du groupe, malgré son accoutrement de suceur là. Je pense tout particulièrement à sa moustache fine et sa petite raie sur le téco. Une sucerie du plus bel effet, colonel moutarde. Il arrive, il me tend la main, il me dit « Bonjour, camarade patriote !» Ah, les bâtards! Je fais le surpris, mais il y a des signes qui trompaient pas. Le déguisement des Peaky Blinders avec des chaussettes de l'OL. Ah, pensée émue et fraternelle à tous ceux qui ont des rapports sexuels sur Pégase de charisme. C'est ça le souci, monsieur Noël. C'est ça. Si je peux me permettre de vous interrompre pendant votre sieste alors que vous travaillez 35 minutes par jour en comptant les pubs et les chansons. Les wokistes, je comprends leur doléance, t'as eu ça. Mais tu parles mal, sale chien, c'est ça je veux dire. Ça, entre ça et faire équipe avec des fachos, non merci, j'ai ça, j'ai encore une éthique, je suis pas Mat Pokora en crampon. Hey, dans les clips de pourceux de la mafia en Kefri, il y a le daron Akader, c'est le seul qui est torse nu. Dans le but de tous bien les emmerder, la mairie de Mourou a donc décidé d'organiser le festival d'expression corporelle et musicale appelé Transidentité banlieusarde. Voilà. Présenté par Daphné Burki et Raphaël Yem. Voilà, maintenant, battez-vous. Au revoir à tous, très chers suceurs. Merci, monsieur le maire. Benjamin Tranier, évidemment. On vous aura reconnu. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen.